Sony Computer Entertainment Europe presents... A Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Et salut à tous, ici Y2JKamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Crash Bandicoot 3 Warp. Ce sera la vidéo du fail. Il y a eu beaucoup de fails dans cette vidéo, la preuve parce que là je parle en différé en fait, car j'ai foiré l'enregistrement audio. Là, je vous laisse avec la cinématique, on en reparle après. Enfin libre. Uka Uka est libre? Non, c'est impossible. Malheur, un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka Uka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu deux fois. Grand Uka Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Du fin fond de ma prison-temple, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais... On a eu quelques petits... contretemps. Et vous avez échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être... généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois-ci... Cette fois, le grand Uka Uka verra à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka Uka et Cortex veulent utiliser la chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance. Et voilà, oui, donc comme je le disais, j'ai vraiment foiré l'enregistrement audio de la vidéo, donc c'est pour ça que je serai en différé. Là d'ailleurs, on commence les fails tout de suite avec ma manette qui est en train de merder, bien comme il faut. Les touches de direction étaient complètement inversées, le haut était pour aller à gauche, et la gauche était pour aller en haut. Enfin voilà, donc voilà. Dans cette vidéo qui va durer une petite demi-heure... je vais faire les premiers niveaux, les 5 premiers niveaux de Crash Bandicoot Warp. Je verrai si j'en fais un let's play ou pas. Si c'est les prochaines vidéos, c'est pas des fails comme ça, je pense qu'il y aura forte chance que je fasse un let's play. Pour au moins faire les 100%. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que j'ai joué beaucoup quand j'étais gamin en fait. J'ai toujours adoré la série Crash Bandicoot. C'est une très bonne série de jeux à l'époque. À l'époque. Ça remonte pas non plus à des vingtaines d'années, mais voilà.
et le Warp est celui qui m'a le plus marqué. Pourquoi tu viens toujours dans mes affaires? Moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu vois. On verra bien assez le plus fort. Ouais, je ne sais même plus ce que j'ai du coup à cause de Cortex. Enfin bref, c'est pas grave. Oui, voilà, le Warp. J'ai choisi le Warped. Le Warped, ça veut je veux dire la French. Car c'est un des jeux que je jouais beaucoup quand j'étais petit. Du coup, j'ai envie de le repartager avec vous. Il est possible que je fasse d'autres Crash Bandicoot. Hein. Ce serait pas interdit. Je ne ferai jamais le premier Crash Bandicoot car pour moi il reste énormément dur. Le 3 reste sympathique. Le Crash Team Racing, très bon jeu aussi que je pourrais très bien refaire, qui est super sympa. Crash Bash, il n'y avait pas trop d'histoire en fait. La cinématique du début est géniale mais il n'y avait pas trop d'histoire. Le 6 avec Crunch, qui est génial. Le Crash Nitro Kart avec vélo, je trouve que c'est un crash hors contexte, on va dire, mais qui était quand même assez bien. L'histoire était bien. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? Crash Tag Team Racing, où il est venu avant Twin Sanity? Non, il y a eu le Twin Sanity d'abord, qui est pour moi le meilleur de la série. Hein. Humour au rendez-vous, le fait de jouer avec Cortex, Nina et Crash, c'était juste chez Crash normal. C'est juste génial quoi, et puis limite en monde semi-ouvert, plus trop toujours avec le système de plateforme, en monde semi-ouvert, si vous entendez du bruit derrière, c'est rien, c'est ma chatte qui fout le bordel. Donc voilà, et puis après pour moi les Crash Tag Team Racing étaient pas top. Je trouvais que les Crash Bandicoot commençaient déjà à descendre en baisse à partir de celui-ci. Et je ne parlerai même pas des deux derniers Crash Titan qui étaient vraiment abominables. En termes de gameplay, en termes de scénario, qui était vraiment pour moi pour les gamins là. Il y a même plus de, c'était même, je ne retrouvais même plus le Crash que je jouais quand j'étais petit à l'écran. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que dans la vidéo, en fait, c'est un avantage pour vous, parce que dans la vidéo, en fait, j'étais concentré dans ce que je faisais. Du coup, j'ai pas pu trop parler. Ça se voit pas trop avec le premier niveau. Mais ça se voyait pas trop dans le premier niveau, pardon. Ça se voyait surtout dans les autres. Vous allez comprendre pourquoi. Après, vu comment j'ai torché les 5 premiers niveaux, chaque session ne fera pas. Je ne ferai pas 5 niveaux par session. Hein. Je pense que les formats vidéo seront d'une demi-heure. C'est déjà bien, moi, je pense. Est-ce qu'après une heure, moi je pense que c'est trop long à regarder une heure. À part quand c'est des bons let's play, mais ou quand c'est des lives, mais après c'est pas agréable à regarder quoi. Je veux dire, en une heure t'as le temps de faire autre chose. Hein. Donc voilà, là j'ai beaucoup de. Et voilà. J'ai torché le premier niveau. On se lance dans le deuxième aquatique. C'est à partir de là que j'ai commencé à moins parler. Ces niveaux-là me demandaient assez de concentration. Faudra pas vous attendre à ce que je parle, à ce que ça soit différé dans chaque let's play comme ça. Hein. C'était vraiment parce que j'ai foiré l'enregistrement audio avec le logiciel de capture, qui déjà non seulement ce matin ne voulait plus marcher, ma manette de PS3 ne voulait plus fonctionner également. Enfin bref, c'était la super bonne journée hein, quoi, aujourd'hui. Tout dépend comment vous allez regarder cette vidéo, mais je vous prépare une vidéo, une nouvelle ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Qui arrivera je ne sais pas quand. Ça sera la surprise du chef! Voilà. Je suis content que la vidéo de Skyrim n'ait pas merdé. J'ai pu uploader la vidéo comme je le désirais. Génial quoi. En HD et tout, parfait. Je pense que je referai une session dessus. Je me suis bien marré, c'était assez sympa. Là, je suis en train de jouer sur émulateur. Hein. J'étais pas en train. Vous en doutez de toute façon. J'ai trouvé d'autres petits jeux rétro que je pourrais vous faire plus tard.
je pense que ça sera sympa. Je les ai appréciés. Il y en a un que j'ai apprécié aussi quand j'étais petit, un autre que j'ai joué beaucoup plus tard. Ce qui est tout à fait pas normal du tout. Mais ça m'a bien donné envie de le refaire. Donc voilà. Et je revois encore comme un gros connard, comme dans la vidéo de Skyrim. Ah si, après une petite astuce que j'avais donnée aussi, si vous voulez avoir plein de bits dans ce jeu, c'est de torcher le premier niveau à foison, en faisant 4-5 fois d'affilée. J'ai un nombre de vie assez important. Eh, tu as te calmer le chat ? Dans vos goulags, moi. Aussi, on a dépassé les 150 abonnés. Je vous remercie tous, hein, c'est super sympa. J'attendais vraiment pas. Franchement, quand j'ai fait ma chaîne YouTube 3 ans maintenant, 3 ans, 4 ans, je m'attendais pas après 150 abonnés, je sais que c'est rien du tout. Hein, et, quand je vois des. Quand PewDiePie qui a 47 millions d'abonnés, à côté, je suis une larve. Hein. Je m'attendais vraiment pas à atteindre ne serait-ce que les 100 abonnés. Merci tous, c'est super sympa de votre part. Après, ce qui a beaucoup joué aussi, ce qui m'a fait gagner pas mal d'abonnés, c'est pas les vidéos gaming, c'est surtout la vidéo sur les fruits des démons, sur les fruits des démons de Ace et Luffy. Qui est bientôt à 35 000 fucking vues, bitch! Je suis content qu'il y ait eu. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle buzz comme ça la vidéo aussi. J'étais surpris quoi. Voilà. Par contre, là je sors des vidéos. Là j'ai sorti une vidéo hier, une vidéo aujourd'hui ou demain, je sais pas quand est-ce qu'elle sera uploadée celle-ci. Ça va plus pareil en fonction de ce que quand vous la regardez. Non, surtout qu'en fonction de quand elle sera uploadée, parce que même si vous la regardez, il y a la date marquée en bas. T'es con, bitch, t'es con. Je ne sortirai peut-être pas une vidéo tous les jours. Hein. Là c'est parce que voilà, je suis en vacances, enfin mes derniers jours de vacances, j'ai retrouvé le... On va pas dire que j'avais perdu l'envie, mais j'ai retrouvé le plaisir de refaire des vidéos. Parce que faire des live PS4 c'est bien, mais après je me dis que je suis obligé de me forcer à jouer une heure quoi, parce que je vais pas faire 30 minutes de live, surtout s'il y a des gens qui viennent, juste pour qu'elles soient uploadées sur YouTube après quoi. Surtout que depuis que j'ai rebranché mon PC, je me fais un peu plaisir en fait. Enfin, vous avez pu le voir déjà avec Skyrim. Mon PC avait quand même plus de 6 mois qu'il n'avait pas tourné le PPR, hein. Il est toujours en rendez-vous. Voilà. Mais là, dans ce niveau, j'ai pratiquement pas parlé. J'étais vraiment concentré dans ce que je faisais, quoi. Parce que là, je loupais une caisse, j'étais dégoûté, quoi. Au début, j'ai cru que j'en avais loupé une. Surtout les caisses part 4. Celle-là faut vraiment les taper pile poil comme il faut. Excusez-moi. Sinon vous faites niquer, beauté. Et encore c'est que le premier niveau avec Coco et Pura. Là j'étais refait, là. 51 sur 51, là je me rappelle, j'étais refait. Ah, je me rappelle, en même temps c'était ce matin, logique que je me rappelle, hein, sinon j'ai... Là à ce stade j'ai Alzheimer quoi. Voilà. Je torcherai pas les 105% par contre. Je tiens juste à le préciser. Je torcherai les 100%. Enfin je récupérerai...
cristaux, gemmes. Et peut-être pas les reliques, parce que je sais plus s'il faut que je faut tout récupérer pour avoir la deuxième cinématique, ou s'il faut récupérer que les gemmes. Oka, Oka, et Cortex vouloir Tini trouver cristaux et les ramener à Grand Colisée de Rome. Crash les laisser à Tini, ou moi écrase les Crash. Tini Tiger. Le premier boss. Et un revenu, donc c'est pour faire la relique, parce que je pensais que j'allais pouvoir la torcher en... Pas en platine, mais au moins en or. En fin de compte, je me suis niqué. En même temps, ça fait un bail que je n'ai pas rejoué. Warped. J'avais perdu un peu la main. Sinon, le niveau, là, je le faisais en 20 secondes. Hein. En 20 secondes. C'est quand même possible en 20 secondes, hein. Je suis en train de me réfléchir. C'est quand même possible. Après aussi, ce qui est bien dans ces niveaux-là, c'est quand tu fais un contre-la-montre, c'est que tu peux prendre toutes les caisses, même si t'en fous de la relique, hein, t'en bats les cacahuètes, concrètement. C'est que tu peux prendre toutes les caisses et que même si t'en loupes une, tu peux te tuer, tu perdras pas de vie. Ça, c'est un petit point positif dans les niveaux où il n'y a pas de bonus, comme le niveau aquatique, et comme ces niveaux-là. C'est nickel quoi, tu peux prendre toutes les caisses tranquilles, tu perds une. Tu te fais tuer parce que tu te fais tuer, t'en bats les couilles quoi. Ça qui est bien. Je continue à bailler comme un gros connard. Hein ? Fatigué de rien, faut que la pire des fatigues qui peut y avoir. Là, tu vois, j'ai terminé en 20 secondes. C'est, voilà, à or c'est 27 secondes, donc c'est largement possible. Des dinosaures. Ah. Excusez-moi, téléphone m'appelait. Après j'ai hésité à refaire la piste audio pour ma vidéo. C'est quand même plus agréable d'entendre... Enfin, je sais pas si c'est agréable que vous m'entendiez causer. Bon. Ça faisait chier de poster une vidéo d'une demi-heure en disant « Oh, je suis désolé du fait, j'ai oublié la bande-son alors que j'aurais très bien pu la... Je pouvais très bien la refaire comme j'ai fait maintenant. » Là j'étais retourné en arrière parce qu'il y avait un bug avec les TNT, enfin moi ça me confusait. Quand il y avait deux caisses de TNT les unes sur les autres, il y en avait une seule qui explosait, et la deuxième des fois n'explosait pas. C'est pour ça qu'il faut bien regarder son compteur de caisses, de certainement en arrière quand on n'est pas sûr. C'est marrant parce qu'en fait là je suis en train de me regarder jouer, ça fait vraiment bizarre quoi. Parce que quand je joue, je suis concentré dans la partie, je vois pas trop ce que je fais, mais là en fin de compte, je vois que. Bah, sans me la péter, hein, sans avoir les chiquillants. Me débrouille. C'est un magnifique niveau bonus qui commence, Jean-Pierre, oui, c'est magnifique. Va-t-il se ramasser le fail ou va-t-il avoir les 14 caisses dans ce niveau bonus? Nous allons le découvrir tout de suite. Il se loupe. Il va retenter ça. Il va retenter. Oh, et ça passe. Magnifique. Il a pris les deux caisses. 12 sur 14. Est-ce qu'il va avoir les deux dernières? Attention. Oh, à l'aise. À l'aise, à l'aise, à l'aise. Et c'est magnifique.
Il est sur la route pour avoir la gemme, encore une fois. Il aura torché les 5 niveaux avec les 5 cristaux et les 5 gemmes. Bravo. Ne parlez pas trop vite, le niveau n'est pas terminé. Il n'a fait que 50% du niveau. Un autre challenge qu'il va tenter. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe, c'est magnifique. Oui, quand, avant, je me souviens, il se plantait toujours à ce niveau-là pour les caisses. Il en loupait toujours une, la plus haute, bien sûr. Hein, chose évidente. Donc, comme je le disais, il est bien parti pour décrocher la quatrième gemme du niveau de Teeny Tiger. Petit coup de pouce quand même du Triceratops hein, qui l'aide à casser les caisses sur son passage. Sinon, sans ça, il se serait fait baiser la gueule à maintes reprises. On peut dire merci au Triceratops. Merci Jean-Louis. La gemme! Et la gemme! Et c'est le fail! Et c'est le fail! Et vous y avez tous cru. Et c'est le big fail. On y a tous cru. Enfin, moi je le savais, mais le big fail, voilà. Dégoûté. Dégoûté d'avoir loupé cette fucking gemme. Dégoûté. Ah, j'avais pas d'autre mot là. Là, j'étais dégoûté. Donc voilà. Voilà le fail. Excusez-moi. Voilà le fail de la vidéo. Et voilà, donc on est parti pour le dernier niveau. Je pense que ça sera pas de tout. De tout repos. Ah, j'avais quand même un petit peu galéré. Hein. Je suis stressé surtout à cause des bombes là. C'est le prix. Je crois que même que quand t'as un masque, après j'ai pas testé pour vérifier. Je crois que quand même quand t'as le masque de sorcier, tu te payes une bouche, tu te payes une bombe. Je suis pas sûr. Je sais pas si ça te nique un masque. Je sais plus si la quatrième c'était la bonne ou pas. Eh ben non, 5 fois. 5 gros fails pour une putain de boîte. Je me choque tout seul quand même, je regarde la vidéo que j'ai faite, mais je me choque tout seul. C'est quand même hallucinant. Chose à ne pas oublier, bien sûr, avant de quitter le niveau, la gemme. Et donc là, on va pouvoir passer au boss du premier, enfin, des premiers stages.
qui est nul autre. Ginny Tiger. Dans l'arène des gladiateurs. J'ai tapé un délire là. Allez, c'est parti. Go pour le boss. Crash, Coco, a volé joli cristaux. Tini les récupéré dans l'arène des gladiateurs. Bien sûr, Tini, on y croit, Tini. Même si toi tu y crois, tout le monde peut y croire. Ne t'en fais pas pour ça, Peaches. J'avais fait la remarque comme quoi quand même Tini est quand même un sbire de Cortex, mais Cortex a quand même enchaîné dans la reine des gladiateurs. Tu vois déjà le niveau d'intelligence de Tini. Un truc casse-couille avec les lions là. Et de deux. Là, j'avais failli me faire bouffer parce que j'avais pas prêté attention au lion qui arrivait à ma sur la gauche de l'écran. Et c'est la victoire la plus totale pour Crash Bandicoot. Super plat pour faire un super plat. Hop. Pour faire un super plan plus puissant, appuie sur croix pour sauter et rond pour faire le plat. J'ai pas eu le temps de tout lire. La petite danse de Crash Bandicoot. Et voilà. Donc on y arrive. Bravo mes enfants. En battant Tini, vous avez débloqué le portail de la zone temps suivante. Retournez au centre de la chronotornade et enregistrez la partie si vous le souhaitez. Vous verrez ensuite que le portail de la deuxième zone de voyage temporel est maintenant ouverte. Et maintenant ouverte. Voilà, donc dans le prochain épisode, on aura le droit à je ne sais combien de niveaux. Ça dépend en fonction du temps que je fais. Comme je vous ai dit, les formats vidéo devraient durer une demi-heure. Donc moi, je vais vous laisser là. Parce que je suis... J'ai recoupé la vidéo parce qu'en fait j'avais fait un gros fail, je n'avais pas de carte, j'ai pas mis de carte mémoire dedans et j'ai donc fait une sauvegarde rapide. J'espère que la sauvegarde rapide va marcher, que ça ne va pas continuer en fail. Donc voilà, donc moi je vous laisse là en train de faire, en train d'essayer de faire une carte mémoire. C'était Y2J Gamer, je vous dis à la prochaine, salut!